Hey, bonjour les amis, c'est Damsa, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo. Donc je vais faire un tuto. Donc parce que j'ai beaucoup de demandes sur des logiciels de montage, parce que j'ai beaucoup d'amis qui. Même des gens qui galèrent un peu sur les logiciels de montage. Et du coup dans cette vidéo je voulais vous montrer donc comment donc faire un ralenti, donc à un moment précis, ou alors de faire un petit accéléré, genre par exemple. En normal, bah par exemple, je prends l'exemple de ma vidéo conneries entre potes. Quand on lance un objet, quand on le fait revenir un objet en mode normal, si je puis dire, qu'après on le fait revenir en mode un petit peu lent et tout, et qu'après on le met en mode ralenti. Alors pour ça, donc là je vais vous montrer donc ça dépend quel logiciel vous avez. Donc moi généralement donc, je me sers de Sony Vegas. Oui, j'ai le 13 et le 9, mais j'ai aussi le 12, mais je sais plus où je l'ai mis. Mais bon, Movie Maker, je vais pas vous montrer sur, je vais montrer sur Movie Maker parce que c'est un logiciel que où tout le monde a accès. C'est pas comme Sony Vegas. Sony Vegas, il faut quand même télécharger plusieurs trucs pour l'avoir. Donc Windows Movie Maker, pour vous dire, c'est la première fois que je tente avec ce logiciel car j'ai vraiment l'habitude de Sony Vegas. Donc vous ouvrez déjà votre Windows Movie Maker, donc vous le téléchargez. Il y aura sûrement une vidéo qui arrivera prochainement. Donc vous faites ajouter machin photo pour reprendre la vidéo que vous voulez. Alors moi il me semble que c'est ici. Donc je vais me servir d'une intro de GoPro pour vous montrer ça. Ouais, donc le temps que le fichier arrive. Un petit peu de temps. Donc voilà, vous avez votre vidéo. Donc là, vidéo normale. Et par exemple, admettons que je veux faire un ralenti. Genre par exemple. Vas-y, attendez, donc je vais essayer de bien régler. Donc moi je règle. Je supprime. Donc par exemple, ici, j'ai envie. Donc ça, je vais pas la garder. Et donc par exemple, je vais faire un. Voilà, donc en gros, je veux que là, ça soit en normal. Donc là, par exemple, la vidéo elle sera en normal. Donc vous voyez, c'est. Pas du tout d'accélérer. Et donc après ce que je vais faire c'est que je vais ça je vais pas tellement en avoir besoin. Donc vous avez que votre. Bon après vous laissez les autres vidéos, ça dépend aussi quel montage vous faites. Bon, attendez, je vais juste voilà mettre ça comme ça. Donc et après donc je veux qu'elle revienne en arrière. Alors je sais pas si ça va être possible sur Movie Maker car vraiment j'ai jamais fait. Mais bon. Dis attendez, je peux faire. Donc vous faites copier, vous faites coller, et donc vous avez vos deux vidéos. Hein, regardez si je les mets. Hein. Donc celle-là, elle va être en normal, et donc l'autre, elle va être. Alors atteindre des outils vidéo. Alors, oui. Donc en fait, là, je vais vous montrer donc comment faire ralentir. Donc en gros, la deuxième vidéo. Et donc simplement, vous allez sur votre deuxième vidéo. Et vous faites vitesse, vous faites, il me semble que c'est. Vous avez le choix, mais il me semble déjà que 0,25. Donc vous voyez que là par exemple. Voilà, vous voyez, donc elle est au ralenti. Donc par exemple, je vais mettre un plus bas ralenti parce que moi j'aime vraiment bien. Donc vous voyez que ça. Donc là, regardez, vous avez donc votre vidéo au ralenti. Donc voilà. Regardez si je mets. Voilà, ça fait une vidéo au ralenti. Bon, vraiment, c'était vraiment un tout petit tuto. Mais il va y en avoir un qui va arriver donc plus complet sur Sony Vegas. Parce que Sony Vegas est vraiment plus précis pour faire des ralentis. Bah voilà, donc ce qu'on va faire. ce qu'on va faire. Pourquoi je dis ça? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vais sortir donc un peu après celle-là, donc la vidéo sur Sony Vegas. Donc voilà. J'espère que celle-là, en tout cas, elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.